Salut les amis, cette vidéo est séparée en deux parties. La première c'est ma réaction au match et ensuite il y aura le débrief. C'est pas un débrief mais genre c'est une réaction post-match, d'après-match, vite fait. Mais bon, je vous laisse les amis avec la vidéo. Pronostic les amis, pronostic, je vais pronostiquer le match. Victoire 3-2 pour le Real, 3-2. Oh la passe de Modric magnifique. Ferland tout seul. Vas-y, fais un truc. Ferland qui marque. Vamos. Il a pris énormément de temps pour marquer, ouais, pour tirer. Mais la passe de Modric. La passe de Modric, les amis. La passe de Modric. Quel but. Quel but du Real. Vamos. 1-0. 1-0. Sort. Poteau de Valverde. Voilà. Tire, Modric. Vas-y, Vinicius. Oui, Vinicius. Le centre de Vinicius. Karim la tête et Karim le but. Il va marquer, bien sûr, il va marquer. Et bien sûr, et Benzema. But de Benzema, Vinicius, la passe. C'est automatique, les amis. C'est un truc, on s'est habitué maintenant. 2-0 à la 19e minute. 323e but. Vamos, 2-0. Quel début de match, quel début de match, les amis, on va les manger. Oui, ça c'est le troisième, le troisième est là. Allez, wesh. Oui, il est là, le troisième, je vous ai dit, les amis. Il se passe quoi, wesh? Je pense pas que c'était aussi nul les 20. Rodrigo le 3-0, une passe de Modric. Parce que je sais pas moi, les derniers matchs les 20, ils se débrouillaient plutôt bien. C'est pas, je sais pas, y'a rien du tout. On joue tout seul les amis, on s'entraîne pour la finale. On s'entraîne pour la finale contre Liverpool. 3-0, 34e minute. Benzema, Fernand et Rodrigo. Et coup franc pour le 4-0. Allez, bonne journée. C'est quoi cette frappe qu'il a, ce mec, Valverde? Oh là là, transversal. Un quatrième. C'est pas normal, Valverde. Transversal encore. Oh là là, Valverde. C'est quoi cette frappe? Il est pas chanceux aujourd'hui, il est pas chanceux. Vas-y, Vinicius, le quatrième. Luka Modric, les amis, 3 assists, 3 passes décisives de Luka Modric. Et 4-0 à la 45e minute. Quel match, les amis, 4-0. Ouf, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Luka Modric, 3 passes. Et Vinicius qui marque son 15e but en championnat. 4-0. C'est la mi-temps, les amis, 4-0. On mérite de mener 7-8-0. Mais bon. 4-0, c'est pas si mal que ça, on est en train de les manger. Et voilà, on va attendre la deuxième mi-temps. Fédé veut marquer. La passe de Fédé, Vinicius, bien sûr, les amis, bien sûr, 5-0. Hors jeu. Ah, mais il y a la barre, attention, parce que moi je pense pas qu'il y a hors jeu. Let's see, on va voir, les amis, on va voir. Est-ce qu'il y a hors jeu ou pas? Valverde, qu'on ait deux balles, Valverde. Hors jeu. Ouais. Je pense qu'il y a un jeu. But refusé, les amis. Allez, à la 5e, s'il vous plaît, là. Oh, la passe de Modric. Benzema, je sais pas ce qu'il fait. Benzema, il fait quoi? Il fait la passe. Mais Benzema, pourquoi il a fait la passe? Parce que Modric, il allait avoir un. Comment ça s'appelle? 4 assists dans un match. Un quadruple d'assists. Et bon, Benzema passe décisive. Quel but, les amis. La passe de Modric. Quel régal. Magnifique. Benzema une passe, Vinicius une passe, Benzema un but, Vinicius un but. Voilà. Oh là là, la passe de Modric. Non, il faut revoir ça. Regardez cette passe. Millimétrée. Entre les deux. Une petite danse à droite, à gauche. Vinicius et but. 5-0. Vas-y, Vinicius. Le triplé de Vinicius. Le triplé.
Le triplé pour Vini, la passe de Jovic. Hat-trick, 6-0 les amis, 6. Le triplé. Quand même, hein, 17 buts pour Vinicius en Liga, pas mal du tout. Ah, c'est bien en fait, c'est cool de voir des matchs comme ça, c'est cool, 6-0. J'aime bien. Récupération de, je sais pas qui c'est, Federico, non c'est Jovic. Vinicius, du pied gauche les amis, 6-0. C'est fini, pas de temps additionnel les amis. 6-0, le Real qui s'impose facilement face à cette équipe de Levante. Salut à toutes et à tous les amis, débrief du match Real Madrid Levante, si on peut considérer ça comme un match les amis. Bon, le Real s'est imposé 6-0, but de Mendy, but de Benzema, but de Rodrigo et un triplé de Vinicius Junior. Et donc le Real qui continue les amis de la meilleure des manières sa préparation pour la grande finale contre Liverpool. Et donc Levante qui passe les amis, qui va malheureusement descendre en Ligue 2. Le Real a tout simplement écrasé son adversaire, ils ont absolument rien fait, ils ont rien fait du tout les amis. Ancelotti n'a pas joué comme contre Atlético, Courtois Hugo cette fois-ci pas Lunin. Carvajal n'est pas titulaire bien sûr, il y a Lucas Vázquez qui joue ces matchs-là. À gauche, Ferran Mendy, la défense avec Vallejo et Nacho. Le milieu, Valverde, Camavinga et Luka Modric. Et l'attaque, Vinicius, Benzema et Rodrigo. Donc voilà, le trio offensif qui est l'idéal pour Real Madrid. En termes de contenu de match, les amis, en termes de contenu de jeu, franchement, les amis, on les a mangés, on les a éclatés, les pauvres. C'est cette équipe de Levante qui espérer, je sais pas, arracher un point, un truc comme ça, mais voilà, 6-0, et je crois qu'au total, ils ont fait un tir cadré en deuxième mi-temps, mais voilà, on les a éclatés, on aurait pu gagner 8-9-0, tranquille, 8-9-0, les amis, je vous garantis 8-9-0, leur gardien, il a sorti au moins 10 arrêts, il y a Valverde qui a touché à lui tout seul 3 fois la barre, 2 fois la transversale, mais bon, au final, les amis, 6-0, le Real qui s'impose, et il faut attendre le match de Liverpool tout simplement. Il faut attendre le match contre Liverpool parce que ça va être comme ça les amis. Ça va être comme ça, des matchs sans enjeu, des matchs anecdotiques et où le Real va faire tourner un peu à droite à gauche. Donc voilà, le Real qui s'impose 6-0, il n'y a pas eu un gros match aujourd'hui. Il n'y a pas eu match tout simplement, il n'y a pas eu match les amis. Le Real qui est entré à vestiaire avec une avance de 4-0 déjà et le match était plié au bout des 20 premières minutes avec ce 2-0. Donc 4-0 à la mi-temps, et la deuxième mi-temps les amis, rien de la part de Levante, même s'ils ont fait des changements et tout, le Real on a tout simplement contrôlé le match, pas de danger sur Thibaut Courtois, encore 2 buts, 6-0 au total, un triple de Vinicius, un but de Benzema, une passe décisive de Benzema, une passe décisive de Vinicius, 3 passes décisives de Luka Modric, une belle soirée pour clôturer cette journée en Liga, donc voilà, total, ça fait 6-0, et le Real s'impose. Et voilà les amis, salut et profitez des vôtres.